Changement de décor, trois personnages en quête d'identité. C'est demain soir à l'Olympia pour une représentation tout à fait exceptionnelle. Trio chaud, composé d'un pied noir algérien, Monsieur Bedos, d'un beurre parisien, Smaïn, et d'un juif tunisien, Monsieur Boujna. Morceau choisi en avant-première. Jeannot Lapin naquit à l'âge de 12 ans. Ses parents, ses amis, sachant qu'il aimait la peinture, l'envoyèrent dans les bois pour étudier la nature. Mais malheureusement, Jeannot Lapin se perda. Excusez-moi, monsieur, mais comme vous l'avez dit, le monsieur qui est venu précédemment, je crois que c'est pas se perda, mais se perdit. Je fais pas plaisir, c'est mon spectacle. Laissez-moi. Je sais pas comment vous dites chez vous, mais. Bon, venez, monsieur, s'il vous plaît. Alors là, ne débordez pas, s'il vous plaît. Se perdit. Ne débordez pas, s'il vous plaît. Mais en français, c'est perdit. Alors moi, comme vous m'avez perdu, on vous dit. En arabe, bon, ça. Non, vous l'écoutez. Non. Vous avez compris, on est. C'est pas tout de suite, après. Alors on le dira après. J'ai trouvé amusant et excitant devant tant d'imbécilités qui circulent un peu partout, de mettre, venant en effet du même pays, du Maghreb comme on dit, un juif, un chrétien et un musulman. Oui, mais, sauf que je crois qu'il n'y en a aucun de nous trois qui soit vraiment pratiquant. Donc ouais. C'est très difficile de nous définir par nos religions. Simplement, voilà, on est comme ça, le juif, le chrétien, et enfin, l'arabe, le bougnoul, le franchouillard. Quand il dit juif, il dit le juif, tu dis juif et tu fais l'arabe. Pourquoi l'arabe? Non, juif, l'arabe. L'humour est une arme. Oui, l'humour est un arme. Si vous voulez, c'est un arme. C'est comme, putain, c'est un revolver que tu brandis contre la connerie humaine. Vous n'avez pas peur d'être récupéré? Par qui? Qui veut bien. Une force politique qui serait éventuellement intéressée. On peut avoir la volonté de nous récupérer, mais la liberté... Vous savez, il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle « Le loup et le chien ». Et quand on n'est pas un chien, quand on est un loup, c'est très difficile de se faire attraper, vraiment. Qu'ils essayent. Et il y aura des démentis tellement forts qu'ils vont en prendre plein la tronche. Qu'ils essayent de récupérer. Déjà, je vais faire un démenti sur scène, moi. Ouais. Non, moi, je vais faire un démenti chez moi. Je vais le dire à ta mère. Je vais le dire à ma mère.